Bonjour à tous et désolé, ça fait un moment que j'avais pas fait de vidéo. Je me suis brisé la mâchoire il y a quelque temps, donc j'ai pas pu trop articuler. J'ai ensuite pris des petites vacances et me voici de nouveau pour un nouveau tuto. Dans le tutoriel d'aujourd'hui, nous allons voir un petit outil qui permet de faire une recherche des fonctionnalités de son site. Alors, vous avez certainement déjà vu des petits moteurs de recherche intégrés à WordPress qu'on trouve des fois dans la barre de navigation côté visiteur. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Là, ce serait pour trouver des fonctionnalités de son thème. Donc me voici sur mon site et je vais aller installer Customizer Search. Je l'active. Et donc, on va voir maintenant que quand je vais dans Apparence personnalisée, je vais avoir un petit moteur de recherche intégré pour mon thème et il est ici. Et donc si je tapais par exemple icône, il me dit que je peux aller changer l'icône de mon site ici. Autre exemple sur un autre site, celui-ci est en local. On voit que j'ai activé le thème Cadence, qui est un thème qui a beaucoup beaucoup d'options de personnalisation. Contrairement à Hello by Elementor, qui lui est très léger pour avoir le minimum de code possible, car le code on le fait avec Elementor. Et donc on va voir que j'ai installé l'extension, pareil, et donc va apparaître ici le petit logo. Donc on voit bien le petit logo qui apparaît ici. Imaginons que je veuille changer une police d'écriture, par exemple les H1. Et bien là, il a fait une recherche dans tout mon thème. Et il voit que pour changer les H1, H1 font et H1 title, c'est dans Colors and Font, les deux. Donc je vais cliquer là. Et je vais arriver exactement sur mes H1 fonts. Donc voilà, c'est un petit outil très simple. Si j'avais voulu, par exemple, encore une fois, chercher logo, voilà, il me montre toutes les options qui pourraient ressortir. Et ça me permet plutôt que d'aller chercher tout seul dans l'ensemble de mon thème où sont les choses, parce que des fois ça peut être compliqué, il n'y a pas deux thèmes qui sont codés de la même façon. Ben là, ça me fait une petite recherche pour aller directement trouver ce que je veux en fonction des termes que je vais taper dans cette petite barre de recherche. Et donc voilà, c'est une barre de recherche qui n'apparaît pas côté visiteur, mais uniquement dans Apparence personnalisée, et qui va nous faire gagner un temps fou quand on a des thèmes assez complexes comme Bloxy, Cadence, Astra, où il y a beaucoup d'options. Des fois, ça peut être problématique d'aller chercher quand on s'y connaît pas trop. Où sont les diverses fonctionnalités des thèmes? Là, j'installe ceci. J'ai le petit moteur de recherche qui est là. En un clic, ça apparaît. Et je n'ai plus qu'à aller chercher en fonction des termes que je vais taper. Il va me proposer les options qu'il connaît. Voilà, j'espère que ce petit tutoriel vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, liker, vous abonner. Ça aidera la chaîne et ça aidera un maximum de monde si on la trouve plus facilement. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à bientôt pour d'autres tutos.